Nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le remit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant par nos corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à notre corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandir dans ta charité. En union avec le pape François, notre Dieu est venu. Tous les humains, les prêtres et les âmes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Les deux et qui s'est bien sûr de mon Dieu. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les docteurs accueillant dans la lumière de ton visage. Souviens-nous enfin. Nous implorons ta bonté en nous, en premier lieu sur ton serviteur, le Père Arthur Joël Abondé, qui rend grâce à l'occasion de ses 20 ans de vie sacerdotale. Nous implorons ta bonté sur ses parents, sur les membres de sa famille. Nous implorons ta bonté sur tous ses bienfaiteurs, tous ses collègues médecins, sur le corps médical si présent, sur ses enseignants. Nous implorons ta bonté sur les pères Soro Soro et Jean-Noël Rouignet pour leur guérison, sur les prêtres malades, invalides. Seigneur, veille sur eux, apporte-leur la guérison. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui ont effectué le déplacement pour être ici. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père, tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour